Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue, vous êtes sur Iva Sound Studio. Je suis Jake et je dois poursuivre l'aventure Pokémon Diamant Étincelant qui a été commencée. On vient d'avoir le quatrième badge si je me souviens bien, et là de suite on commence, on va chercher le cinquième. Voilà, bref, sinon j'espère que tout le monde va bien, installez-vous confortablement, faites-vous votre petite boisson chaude, il fait froid ce matin, il fait très froid. Donc réchauffez-vous, c'est important. Bonjour le chat, bonjour Shrapnel dans le chat, comment on va? Alors, l'objectif, c'est bien d'aller battre Chimera, l'arène d'Union Police. L'équipe, elle va bien, hein, on l'a été soignée la dernière fois, donc let's go, c'est parti, direction l'arène. Je ne sais plus du tout quel type de Pokémon c'est. Alors, ça parle de rythme. Quel type de Pokémon va-t-on affronter? Ok, du spectre, je suis pas fan de ça quand c'est en face de moi. Donc les attaques feu, oui, combat, non. L'eau, oui. Et insecte, à la limite, pourquoi pas. On va essayer de faire ça comme ça. On va essayer de jouer sur Simiabras, Léviator et Milokrik. On va éviter Kadabra. Parce que je me souviens plus qui du spectre ou du psy fait plus mal à l'autre. Donc je préfère éviter. Je sais que le type spectre est fort contre le type spectre, logique. Mais je n'en ai pas. Donc let's go, c'est parti. J'ai quand même quelques attaques ténèbres avec Léviator et Luxray. Mais... Oh punaise, ce sont des énigmes, au secours. Alors, l'idée c'est de répondre à côté des questions pour faire tous les combats. Et donc avoir le plus XP possible. Donc, 5 et 3, 8, 8 et 7, 15, donc la bonne réponse est à droite. C'est pour ça que nous allons à gauche, vers le combat, pour aller chercher l'XP. Ouais, j'aurais pu utiliser la Pokémontre, c'est vrai, mais je n'utilise point quand même, faire un calcul comme ça, il n'y a pas besoin de calculatrice. Bon, le Fantominus, on y met quoi? Il est 27. Simiabras est déjà 44. Une route feu devrait suffire normalement. Suspense. Ça passe. Il m'envoie un Spectrum. On va rester sur Simiabras. Hein. Deux niveaux de prix, un pour Luxray et un pour Castorno. Luxray va prendre une. Non, ça non, j'aime pas trop. Voilà, je dis j'aime pas trop et je. Voilà. Je spam du bouton A toujours. Hein. On avait dit que la bonne réponse était à droite, hein, c'est ça. Ouais. Dans ce cas, on va en face. Je sais pas du tout combien il y a d'énigmes ni de combats, je m'en souviens plus. Je crois qu'il y a 4 énigmes, je dirais 10 combats avant la championne. Vérifier, on verra ça. Pour l'instant, c'est tranquille. Vraiment, pas trop d'inquiétude. Exactement, mademoiselle. C'est l'objectif.
3 nouvelles portes. 12 et 28. 30, 40, 40. Du coup, il faut pas aller en face. Enfin, la bonne réponse est en face, donc il ne faut pas y aller. Les questions sont quand même... J'aurais pu faire des énigmes plus compliquées quand même. C'est bien que Pokémon se casualise une phase. Pas de grand challenge. Croiser des types croisés. Mais là pour l'instant, que du spectre. Il a des attaques ténèbres. Il aura pas eu le temps de faire des attaques. Par contre, il me blesse. Il me blesse parce que c'est son talent. Ok, il est KO, il me blesse. Dommage. Je crois que techniquement, pour les gens qui speedrun, c'est la seule arène où on peut skip tous les combats intermédiaires. Ouais. 3 x 13, c'est punaise, alors attendez. 26, 9, 39, il ne faut pas aller à gauche.
premier Braz est déjà midi. Ça peut devenir inquiétant. Voilà, il va perdre un quart de plus. Le Pokémon en face te laisse forcément la plus haut. Regarde sans savoir quoi faire. Non, c'est mon singe qui me regarde sans savoir quoi faire. Il attend que je lui donne une indication. Et non, la priorité en fait, c'est de dépendre de la vitesse d'attaque du Pokémon. Je me trompe pas. Des fois, ça va être mon adversaire qui va attaquer en premier. Des fois, la plupart du temps, c'est moi parce que là, pour le moment, j'ai les niveaux qui ont un sacré écart de niveau. Mais ça va changer au fur et à mesure de l'aventure, notamment la Ligue Pokémon. Je souffre en général. Mince. J'ai fait les deux, on est d'accord. Ouais, c'est ça. En gros, j'ai fait l'aventure Perle en parallèle, juste pour mon propre plaisir personnel, sans stream. L'aventure Perle, j'avais toujours eu à peu près 10-15 niveaux d'avance sur les adversaires, sur les arènes. Sauf à la Ligue. À la Ligue, les niveaux sont vite réduits et j'ai eu mal. Mais je l'ai eu du first try, mais j'ai eu mal. Et c'est pour ça que là, je m'autorise à farm beaucoup plus XP pour être large sur la Ligue. Mais vu que j'ai forcément de l'avance d'XP, j'ai une vitesse d'attaque plus élevée, une vitesse plus élevée. Quelle était la réponse de la salle 1? Punaise, je m'en souviens plus. C'était 16. C'était 16. Vitesse 7, 15. Pardon, oui, non, oui. C'est... Pardon. Oui. C'était 15. En effet. 15. Et dans ma tête, je voyais bien de 7 et 8. Oui. Après, je vais sortir mon excuse habituelle à ce sont des maths. J'aime pas ça. Mais bon, là, quand même. Je backseat. Non, mais il n'y a pas de problème. Pour ça, c'est pas grave. Là, et puis franchement, backseat du Pokémon, c'est un peu compliqué pour le vrai. Par exemple, non, que ça se strat là ou plutôt que ça se strat là. Voilà. Sachant que je suis vraiment sur une aventure posée, pas trop, pas vraiment stratégique. Ma stratégie dans Pokémon, et comme tous les Pokémon, je monte au maximum un Pokémon, deux, peut-être trois, et après je roule sur tout ce qui passe. Équilibré, mais en général j'utilise quand même pas tous les Pokémon. Du coup on a dit que c'était 15, donc il faut que je peux... oui, ça peut aller en face. Et c'est PP au passage. Quasiment, même si j'ai utilisé la moitié des PP de la route feu, quoi. Gros drive. C'est sûr.
Il se hit. Oh ! Ah oui, il se hit bien comme il faut, oui. Ah oui. Au secours. Là, c'est un peu inquiétant. Je sais pas si je peux encaisser le coup là en fait. Mais vu que j'ai un... Je peux pas lancer une attaque parce que l'autre, le gros drive, il est en l'air. Donc on va profiter pour se soigner un petit peu. 60. Voilà, comme ça, on me heal. Et je peux encaisser l'attaque du gros drive. Bien fait. Maintenant que c'est la championne, on fait... quoique il a toute la vie en vrai. Je viens de le heal, c'est très dommage. Bon allez go, on passe pas par le champ de Pokémon, on y va. Trois Pokémon, ok. Et elle commence par un gros drift. Au secours. Il est 32. Il a évité l'attaque, pardon? Petite potion. Ça fait un peu mal. Mal là par contre. J'espère qu'elle n'a pas d'autres comme ça. Ectoplasma. Ok. Alors il va me faire mal, Ectoplasma. Je vais te dire. Finesse, j'ai pas critique. J'aurais dû faire autre chose, tant pis, c'est ma faute. KO le singe de feu. Ça y est, on est sur les champions qui commencent à utiliser les items sur leur Pokémon. Hein. Mais pourquoi? Il vient d'être heal au maximum, l'ennemi. Il mange quand même la baie. Mais c'est nul. C'est perdre une potion, là. C'est pas très stratégique. Qu'est-ce qu'elle a fait, la championne?
Allez, Mélocrit et Luxray qui prennent un niveau chacun. Oh, il est stylé ce Pokémon. J'aime bien. Alors ça peut rendre confus, j'espère pas. Punaise. Allez Léviator. Ah non, il se fait mal lui-même. Parfait. Parfait. Voici un nouveau badge, le cinquième. Et je vais pouvoir utiliser Surf, enfin. Il y a des combats dans l'eau qui m'attendent. Pas loin du Grand Hôtel. Allez. Sort de l'arène direction le centre Pokémon. Il est temps de régène, de healer tout le monde. J'aurais pu faire une sortie plus directe quand même pour repasser par tous les ascenseurs. Ah! Mais qui voilà? Bon, ben on a un prochain objectif. Mais avant ça, petit soin. Allez, je spamme le bouton A et on arrête là. Si je continue à spammer le bouton A, on se fait healer 4 fois au centre Pokémon. J'essaye de retenir la leçon. Pas spammer le bouton A. Petit coup de sauvegarde. Alors, objectif, aller à Joliberge. Joliberge, c'est loin, 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 loin. Il faut repasser par Félicité, je pourrais y aller directement avec le vol, chose que je compte faire, je pense. Oui, parce que les autres routes, j'y suis déjà passé. Mais je souhaitais vraiment faire les combats dans l'eau ici, là. Là, ici. Donc... je vais à Verchamp faire les combats surf là. Ouais. Et après on ira à Joliberge. Et pourquoi j'y vais pas à vélo? C'est parce que le vélo en jeu, j'ai du mal. Exact trop, ça va pas en diagonale, c'est vraiment pas pratique le vélo sur Pokémon Diamant Perle. Allez, alors d'habitude je fais des zigzags. Ah. Il y avait une petite île, d'accord.
Non mais... Je dois aller en bas en fait. Des fois il y a des objets cachés. Non, là non. Ah, bon. Combat dans l'eau avec un... Tentacool. Très bien. J'ai pas encore capturé de Tentacool. Ok. Oui, je sais. Lance une attaque feu contre un Pokémon haut. Mais c'est fait exprès. Alors, c'était censé... Je voulais qu'il résiste à la base. Je voulais qu'il résiste pour le capturer. Bon, c'est pas grave. Enfin, pour la prochaine fois. Pendant ce temps, Castorno monte d'un niveau. Et il va prendre Bélier. Tiens donc. Ah, mais ça me blesse aussi. Non, on n'apprend pas Bélier. Non. Il y a une Pokéball juste en dessous. Une Goélise. Niveau 21. Allez. On retente l'attaque feu. Ouais, ça... C'est pas grave. Après, l'idée pour le Pokédex, ce n'est pas de les capturer, mais de les croiser. Donc, ça facilite la chose. C'est plus casu, encore une fois, mais ça facilite la chose. Oula, il y a du monde en bas, là. Mais c'est quoi cette route, en fait, si on ne comprend pas. Bonjour, madame. On est sur une zone haut, faudrait quand même. Ouais, allez, on va monter l'Uxray. Avec un lapin. Il a fondu. Allez, un niveau pour Léviator, un niveau pour Kadabra. Il m'envoie un Léviator dans la tête. Je pense que sur toute cette partie, il y a quoi être. Juste après, on va se créer un tout
premier dans l'équipe. Bras qui prend un niveau. Très bien. Machoc ? Oui, non. Là, on remet Simia Bras. Il a fait tomber l'objet. Ça veut dire que j'aurais pas le double d'argent après qu'on a. L'objet que j'ai sur la brasse, la plume, me permet de doubler l'argent gagné sur le combat à condition que Simia Brasse ait participé au combat. En haut là je pense que ça on va pouvoir le pousser plus tard avec force. Et en bas il y a quoi? Pas dans les combats sauvages comme ça, c'est qu'on perd un mètre et tous les 1 mètre on va retomber sur des Pokémon sauvages. Je trouve ça que c'est un peu abusé. J'ai tendance en général d'abuser des repousses, super repousses, etc. Mais ça me fait perdre un peu. Et vu que là, sur cette aventure, je veux vraiment avoir un avantage d'XP et de niveau sur la ligue. Obligé de me taper ces combats sauvages. S'appelle Eustache. Un vieux prénom ça.
Stress pour nous qui reprend un niveau encore. Oh, un rappel max, cool. C'est bien pratique ça. Y a rien d'autre ici à part ça. Très bien, bonjour madame. C'est tout ? D'accord. C'était censé être caché, ça ne l'est pas. Tout droit encore. Je monte. On va éviter des combats tant que je reste sur l'île. Pas trop de combats, je peux monter ici. Il y a une Pokéball là-haut. Je descends là. Il n'y a qu'une Pokéball là-haut. En vrai. Ouais, c'est ça. Bon, double combat et après l'objet. Deux fois deux Pokémon, d'accord. Oh, Marie, il survit. Hein. Marie, il pierre haut. Cool. Ça pourra être utile.
pour inscrire quelque chose de ce côté. Non. Rien du tout. Sérieux, faut utiliser surf pour un carré. Mais le jeu... Voilà. Là, il y a un combat, deux combats. Et là, on attaque avec du sauvage tentacuel. Pas des combats, sérieux. Oh là, il y a quelque chose de caché. Oh punaise, tout ça pour de l'escalade. Ça amène juste à de l'escalade, je n'ai pas forcément. Avant de mettre le pied sur la plage, il fallait que ça aille. Très bien, alors on va se soigner ici, je sais qu'on peut le faire. Et nous allons nous diriger vers Jolie Berge en fait. Si on passait par le bâtiment de la Pokémon sur la félicité, quitte à être obligé de passer dans cette ville, autant aller récupérer des choses nouvelles, peut-être. Ça c'est utile ça. Ok. Bon,
Bah, direction la route vers Jolieverge. Bonjour messieurs. Alors on a du surf à faire. J'ai l'impression qu'il y a un truc en haut à droite. Qu'est-ce que je disais? D'avoir pas mal de combats, c'est la suite. Donc on va descendre là. Voilà. Il y a deux pêcheurs et une Pokéball de l'autre côté. Sérieux, bon, on fait les deux pêcheurs. 5. Ok, il a 5 Magikarp. Tiens bon. Allez, le premier. Il n'y a pas que des Magikarp. Thank you.
l'instant je suis que spammé hein. Mais ça m'embête, je surf une, deux fois, juste pour ça quoi. Un pot de miel, tout ça pour un pot de miel en plus. Une fois. Et deux fois. Voilà. Je l'ai combattu lui, je sais plus. Non, je l'ai pas combattu encore. Deux Pokémon. Ça aura été une succession de combats Léviathan Magikarp. J'ai l'impression que le marin, les pêcheurs, c'est quasiment 80% Magikarp, Léviathan. C'est pas trop d'autres choses. Très peu de dresseurs comme des fois sirènes, fois sauvages. On a fait au point de plus fantastiques sont actuels que sauvages. De monter niveau, parfait. Après il y a des mantas, des remantas, des poissons un peu des abysses, mais pas tant que ça au final. Alors, avant d'aller dans la vie, enfin quoi. Oh mon dieu, c'est d'accord. Alors, il y a un guitariste qui lui il a de l'électrique, donc par précaution, on va remonter Simi à Braz. Par assurance et par facilité. Voilà, bonjour. Il a qu'un Pokémon en plus. Et bah. Un Luxio, tiens donc. Et enfin. Mais j'ai fait un pas! Je n'ai fait qu'un seul pas quoi! Oh monsieur Mime! Ah si je peux le capturer lui par contre, ça serait chouette. Il y a quasiment 20 niveaux d'écart quand même. Très utile pour monsieur Mimeul le talent. Abri, pourquoi il fait ça? Bah oui, forcément. Stop. Non. Dégoûté. Tant pis.
Ah, punaise. J'ai voulu juste attraper les dernières. Bon, est-ce que il y a des choses cachées en bas de ces herbes-là? Non. Voilà. Et au dernier carré, il faut que je tombe sur un sauvage. C'est un critosaure en plus. J'ai pas encore capturé Tritosaure. J'arrive plus à capturer les Pokémon. Alors, il veut tranche nuit. Taux de critique élevé. Okay. Ça fait beaucoup de Pokémon là dans mon ressort qui ont des attaques ténèbres quand même. Léviator, Milotic, Luxray. Je crois que Castorno il en a aussi. J'ai l'impression de faire un ressort que ténèbres alors, sans que eux-mêmes soient ténèbres. Et on arrive presque. Utilité de ça, zéro. Voilà. Oh, il meurt de soif. Est-ce que je peux te donner dans ce cas... C'est une référence aux autres jeux Pokémon. Je peux te donner une eau. Ah mais non, mais... Je peux rien donner au monsieur. C'est quoi la différence? Oh punaise, c'est dommage. Je peux rien donner aux gardes. C'est une référence aux autres jeux Pokémon. Ça permettait de débloquer des accès comme ça. C'est pas grave, je clean au passage les items que j'avais pas clean. C'est quoi la grosse racine déjà? Ça faisait un moment que j'avais pas clean tout ça, dis donc. Il y a beaucoup trop de choses là. C'était quasiment. Voilà. Tant pis, ben il restera à voir. Et nous voici à Jolie Berge. Visiter la ville. Très bien. Qu'est-ce donc? Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. Je rentre juste pour faire des dialogues, mais pour l'instant, je ne peux pas acheter. On achètera quand on sortira de la ville, je pense. L'île de fer. Ouais. Bon, on fait un tour au centre Pokémon, comme ça au moins ça me permettra de recharger les PP.
Ça faisait longtemps. Très bien, donc Robert sort de l'arène, vient d'avoir le badge. 5 Pokémon. Ok. Quoi cette attaque? Il m'a fait méga mal là. Oui, oui, on change de Pokémon, oui, 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 bien sûr. Il a un PV, le Sentoso. Ça c'est la bibliothèque, on avait dit d'y aller tout à l'heure. Là il y a l'arène. D'accord, je pense qu'il va faire un tour sur l'île de fer à un moment donné. Caché dans la ville. Même caché dans la ville. Ok, on va à la bibliothèque, je pense.
Et après on fera l'arène. Ça fera deux arènes dans le stream là. Oh mon dieu, il y a la Pokéball. Ça. Deux arènes dans le stream. Donc quoi le chemin caché dans ce cas? Chemin caché. C'est pas très intéressant. Ah, il y a du texte. C'est horrible, c'est dégueulasse. C'est très glauque quand même. Ça parle de Palkia et d'Ali et Dialga. Là, il y a les fées. L'original, c'est le cerf, j'ai oublié son nom. Diagonale, c'était bien vrai hier elle aussi. Il y a beaucoup de lore là quand même. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas du lore qui pourrait teaser Legends, Pokémon Arceus? Ah bah c'est Arceus le cerf justement. Parce que Arceus, Legends, Pokémon Arceus va se dérouler dans Sinnoh. Enfin se déroule dans Sinnoh. Donc bon. Bon allez, direction le centre Pokémon. Et ensuite l'arène. Direction l'arène maintenant, je ne sais pas de quel... Oh, l'homme au corps d'acier. D'accord. Donc des attaques acier. Donc, le sol peut-être, roche. Wow.
énigme sur 20. Ok, bah Simia Brest en premier je crois. Ouais, donc go à ta combat. Par contre il va y avoir masse de... Il va y avoir beaucoup de combats. Hein. Bonjour monsieur. Super efficace, j'ai pas fait grand chose. Bon, ça va. J'ai mis un bras en caisse, tant mieux, ça m'arrange. Alors, on a des plateformes partout. Après, je suis droit à l'Onyx. Je pense que l'arène risque d'être dangereuse. Ça va être un peu long. Je me suis planté. Heureusement qu'il lui restait pas grand chose. Et puis j'ai quand même un petit écart. Niveau. Alors là, il y a 4 plateformes, donc go la première. Donc la deuxième, c'est un sac. Ouais, c'est ça. La troisième, un sac. Et la quatrième, c'est un sac en plus. Ouais, c'est ça. Donc go la première. Il y a un combat qui m'attend. Trois Pokémon. Je vais avoir 3 Onyx. Pour un ouvrier, je m'étonne qu'il n'y ait pas de Pokémon électrique. Ça paraît bizarre.
Ah, c'était un cul-de-sac. Très bien, tant mieux, ça m'arrange. Comme chaque arène, il faut faire tous les combats. Le 2 est un cul-de-sac, d'où le 3. Oh, putain. Attendez, quoi? 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 Ça me... D'accord, c'est... Yeah. Bon bah, go le 4. Allez, nouveau combat. Il y a une attaque funèbre. Non, c'est pas une attaque funèbre. Avec cette arène, je peux monter même niveau 50 sur Simia Bras, ça serait cool. Oh, quelle utilité! Bah pareil. Punaise. J'espère que je vais pas avoir besoin de repasser sur ce Pokémon en vrai. J'ai beaucoup de Onyx dans toute l'arène. Du coup, je me demande ce que le champion aura réellement en Pokémon. C'est là,
quand même des Pokémon. Je dirais que le champion a 3 ou 4 Pokémon. Je pense. Par contre, ouais, non, les points boost commencent à manquer. Faut que le champion soit plus si loin que ça. D'abord le Onyx et après le Steelix. Quelle originalité! C'est quoi ça? Tu veux commencer la vitesse? Ouais, c'est ça. Brass passe niveau 50 à l'arrivée. Il est à peine 48 pas et demi. Ça fait combien de dresseurs là? 8ème, non? Azumarill, punaise. Qu'est-ce que ça fait dans cette arène, ça? Castorno rattrape le retard petit à petit. Bien. C'est l'heure du champion. Mais par mesure de potion. On va soigner Cinabrase avec super non 60 PV. Ouais, allez. Ça évitera de faire tout le tour pour aller au centre Pokémon et revenir. Ah, c'est le père de Pierrick. D'accord. Pokémon, très bien. Et il a encore un Arcomir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas croisé des Arcomir des deux là comme ça. Là. Pas énorme en fait. Je
Oh, il résiste. Il résiste. Non, pas séisme, non. Il attaque avant. Non! Ben on change de Pokémon, hein, on n'a pas le choix là. Go Léviator. Okay, mal. Fais bobo. Il a évité l'attaque. Don, c'est quoi ça? Ah. Attaque en premier, il est déformé. Oh merci Léviator. Change de Pokémon, il va prendre cher. Go Kadabra, allez, on va tenter. Vas-y, il a tous les deux les attaques. Très bien. Pas très efficace, c'est pas bon. Je savais pas ça. Ouh le bobo. Bah non, pas guérison, s'il te plaît. Hein. La potion. Et voilà, le full life. Sérieusement, je vais pas perdre sur ça. Je reviens pas, quoi. Galère sur ce combat.
Voilà, terminé. Terminé. Du numéro 6. Ok, bon bah ça fait plusieurs fois qu'on nous parle de l'île de fer, donc centre Pokémon et go île de fer. Là on se demande comment l'arène pourrait être aussi longue quand même, et grande en hauteur. Apparemment, ils veulent qu'on aille à la bibliothèque. Du texte. Oh le pauvre. Comment il parle au professeur quand même. Bien fait. Voilà. Ah. Mon coureur part au lac Vérité. D'accord. Lac Vérité, je crois que c'est le lac à côté de chez la mère de mon personnage. Robert, il va au lac Savoir près de Climapic. C'est une ville tout en haut, ça. Une montagne. La courage, c'est moi, d'accord. La fois que je retourne la route, là. D'accord. C'est passé quoi là? Je m'assure que tout le monde va bien quand même. Hein. D'accord. Vous entendez des travaux, mes voisins commencent à faire des travaux. Explosion, la courage. C'est pas là où je dois aller par hasard ?
Très bien. J'ai soigné mes Pokémon, d'accord. Ouais. Dans le doute, on n'y va pas. Okay, voilà. Rendez-vous lac courage. Et le lac courage, c'est... Ah. Le lac vérité, c'est ici. Ok, j'irai quand même jeter un œil par curiosité. Et le dernier lac, il est tout là-haut. Je pense que c'est pas pour aujourd'hui, ça. Donc, pour le moment, direction les îles de Fer. Peu de temps, on va prendre de l'XP. Je terminerai avec les îles de fer pour aujourd'hui une prochaine fois. Le mystère de 3 lacs. Hein. Gratuite. Bon, il n'y a personne ici. Une grotte, génial. Gauche ou droite? Allez, droite. Le pouvoir des grottes, notre petit racaillou. Non, Gravalanche. Génial. Pas pouvoir faire 3 pas. On va regarder l'XP que je prends, sinon on va aller à la repousse. Non, 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 pas ça, non. Quand même, il y a quand même de l'XP en vrai. Zut. Il y a un passage là-haut, je trouve. Ascenseur là. Plus tard l'ascenseur, plus tard encore un Gravalanche. Pas voir cette potion. Dans le doute, j'irai quand même jeter un œil à...
voir s'il y a à gauche. Hein. Oh punaise, c'est pas mieux. Bon. Je vais utiliser des repousses parce que là, il n'y en a qu'un en plus. Je vais juste avancer. Et du combat. C'est pas par là ? J'irai résiste, mais il est paralysé quand même. Merci, c'est un peu. Il guérit tout seul de la paralysie. Là, il va y avoir du poison, je pense. On va chercher la Pokéball, mais c'est bon, ça passe. Une balle fer ? Je sais pas ce que c'est. Escalier. Non, c'est Spiral. Avant de passer à droite, dans le doute. Voilà. Donc, là, je suis obligé de monter. De combattre. Bon, ici, c'est la zone des graves allanges. D'un niveau. Oh oui, je prends ça. Une vilaine morsure réduit de moitié les PV. Je prends. À la place de l'armure. Et qu'il n'y a pas d'objet caché. Sinon, ah bon, je ne sauverai pas. J'ai pas la réponse pour le moment. Très bien. Je
Et oui, ça servait à rien. On descend. Petit combat. Quelle idée de faire un pique-nique dans une mine quand même. Dangereux. Oh non, Pokémon vol. Une poêle visqueuse qui ralentit la vitesse de tout adversaire qui entre au combat. C'est intéressant. Faut d'abord monter. Allez, le retour du Gravalanche. Il a fermé. Non. Qu'est-ce que j'aime pas les Pokémon qui font ça? C'est un repère à Gravalon. Il n'y avait rien. Tout ça pour rien. Punaise. Vite l'ascenseur. Ah. Allez, droite. Bon, bah gauche. Il y avait du monde. Sympa toi. Il y a du monde ici beaucoup pas. Hein. Une Pokéball. Et là, ça faut juste monter. Peut-être qu'il y a un objet caché ici du coup. Ou pas, rien du tout, que dalle. Alors,
Oh, merci, Simia Brasner. Non mais sérieusement, soyez original, sortez pas que des gravalanches. Enfin... à faire beaucoup là. Et destruction encore, mais c'est pas possible. Un gravalanche, sérieusement. Si même les dresseurs ont des gravalanches, on va. En même temps, il y en a tellement, il ne fait que attraper des gravalanches. Voilà. C'est combien? 10-15e gravalanche de la zone. Il y en a qu'un. Un onyx ? Au pif ? Non, un gravalanche. Mais... j'en peux plus. Une attaque sol ! Thank you.
Bon. Je vais pas pouvoir avancer. Tous les trois pas, il y a une aggro. Après les trucs, oui, ça fait XP, CR. Attendez, c'est un sauvage. Je peux l'attraper. De précaution. Le sac. Et là le repousse. Hein. Obligé. Trop de sauvages. Tout ça pour ça, y a rien dedans. Ok, d'accord. Il n'y avait pas rien. Demi-tour. En gros, ici, il y avait deux objets, trois objets et deux combats, quoi. Là, on passe à gauche. Oui, faisons équipe. Oui. Oui. Soigne mes Pokémon, avec grand plaisir. Alors, par contre, je ne me souviens plus de la carte ici. Donc là il y a un double combat. Là où il y a deux combats. On présente les seuls. Est-ce que les deux vont m'aggro? Yes. Ça fait un double combat. Deux pour Pridin. Ça ira plus vite. Ouh, 5. Ah ouais. Bon, normalement, le Armand là il m'a soigné mes Pokémon. D'ailleurs, c'est vraiment rarement. Il me les a pas soignés. Gratuit.
Il résiste, punaise. Au secours. Heureusement, Simia Bras est tellement badass. Il a beau être en mauvaise posture, il arrive à esquiver les attaques. On continue pour plus de machoteur. Il aura encore un Pokémon Baroque derrière. C'est mal. Tout court. Lucario, s'il te plaît. Mais non, mais tu. T'as fait un truc super sur le Nosferatu tout à l'heure et là, non. Lucario. Heureusement que j'ai des attaques plus intéressantes que la caméra du car. Et c'est donc un. D'accord. J'ai résisté et j'ai gardé en vie le singe de feu. Ouf. Je sauve l'honneur. Bon, normalement je suis soigné, on est d'accord. Vérifions ça. Yes, merci. Ah, j'aime bien avoir un duo comme ça. Alors, on se balade. Une hyperbole. Il y a des objets qui sont... traînent vraiment un peu partout. J'ai envie d'aller sur les Pokémon sauvages, vraiment. Y'a rien! Punaise, y'a rien! Donc là, on en vient. On descend ici. Ah! Est-ce qu'on peut aggro le double combat? Je pense que... Oui, c'est bon. Parfait. Et 5 Pokémon encore. Il a qu'un Lucario là. Ah, Lucario a aussi plus de stylisme. D'accord. Très bien. Luxcré et monte carrément. Non, pas ça, c'est nul ça. Thank you.
quand même pris pas mal de niveaux et tout, dans cet endroit, et ce n'est pas terminé. Une potion mag, je prends. Je prends. Ah, des sbires, dis donc. Là, c'est après. Les deux d'en bas, là, je les ai pas fait. Bah. Ah, c'est utile. Ok, ça, c'est utile. Bon, là, il n'y a plus de réponse. Et oui, dès qu'il n'y a plus de répétitif, forcément, le combat sauvage de Gravalon. Donc maintenant, il c'est des combats sauvages doux. Ok. On va le tenter. Oh non. Allez, combat double. Tout l'intérêt de cette zone-là, c'est vraiment de faire des combats doubles. Heureusement que j'ai du niveau d'écart. Oh, ça résiste. Cario fait quelque chose. Non, fait quelque chose de mieux.
Allez, le retour. Oh, j'en ai marre des gravalanches là. C'est même plus drôle. Là-haut. Mais je peux même pas vérifier quoi que ce soit sans que ça attaque. Oh mon dieu, c'est du sauvage en plus. Il y a un peu de retard du Léviathan en niveau là, du 44 par rapport au reste. Allez, je vais enlever ma fouille, je vais garder comme ça pas une attaque vol. Il y en a d'autres qui ont des attaques ténèbres. Ouf.
Allez, double combat. Après, je crois que ce sont les sbires. Après. Qu'il a évité bien je peux mais pourquoi lui faire plus les mêmes que moi quoi. On me laissait taper 1 et donc me donner une fée peut-être. Je sais pas. Spectrum. Arrête, Lucario, fais pas ça, attaque directement. Là par contre j'ai mal. Là j'ai mal. Allez, au revoir. Il reste le bec et je crois qu'il y a encore un Pokémon derrière les Pokémon. C'est quoi ça? Une attaque vol? Pour singe de feu? Oui, oui, non, je prends pas. Non. Et un similar, allez. Qui n'est pas un Pokémon plante. Un Pokémon roche. Allez. Je pense que c'est le dernier combat de l'île de fer. 6 Pokémon. Beaucoup ces Pokémon quand même. Franchement, on joue, mais... Non, c'est pas trop. C'est ce qu'il y a.
devrait pas être trop. Quand même. Méloprix pour le niveau. Il veut apprendre Bourdon. Bourdon, c'est intéressant. À la place du Turbin Sec. Durant cette île de feu, l'âge de feu aura quand même été pas mal. Il aura vraiment fait du bon boulot. Non, non, pas ça. Oh, punaise. Bon, alors ça va. Pour une fois, je prends des dégâts, mais il y a tellement d'écart de niveau que c'est supportable. Mais en vrai, ce genre de talent à la fin, c'est chiant. Je crois que c'est le dernier. Éclair. Non, je ne veux pas cage d'éclair. Parce que le clay, il apprendra des choses un peu plus badass. Hein. Ça m'embête. Bon, mais Castorno, à un moment donné, va falloir qu'il rattrape l'XP. Hein. Je le mets dans la boîte là, mais. Vu qu'il y a un œuf à faire avec l'or. Est-ce que mon équipe est full régène? Oui. Est-ce qu'il y a tous les PP? Non, je vais pas te déplacer, je vais en résumer. Il y a tous les PP. Parfait. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore des combats là-dedans. Je pense pas en vrai. Il fallait que je dise ça pour qu'il y ait un combat sauvage. Peut-être moyen de capturer le Stylix. Mais non. Allez. Mais il n'a plus rien envie le Stylix là. C'est juste pour le. J'ai envie de dire la collection. Go la Pokéball. Un hyperball.
Mia Braz, il est en train de tout encaisser le pauvre. Allez. Mais c'est une blague. Je peux pas t'enlever plus de PV que ça, c'est des sinon je te mets KO en fait. Qu'est-ce qu'il faut? Je peux pas t'envoyer au-dessus de l'hyperbale, j'ai pas mieux que ça. C'est pas fini. Bon, je récupère l'objet. Je veux juste récupérer l'objet, s'il vous plaît. On va jouer la sécurité, hein. On va fuir. Surtout, vu la vie qui reste, on se casse. Mais non! Il me poursuit. J'aurais jamais vu autant de gravalance dans toute ma vie, je crois. Une pierre éclat, d'accord. Alors combien d'aggro je vais avoir jusqu'à la sortie, attention. Alors ça fait une. L'aggro. Ouf. On s'en va. On se casse. Île de fer terminée. On rentre à... C'est quoi la ville? Jolie Berge. Je crois que c'est ça. On va au centre du Pokémon. En vrai, même pas. J'ai plus rien à faire là. Là, l'idée, c'était d'aller au lac Courage. Mais j'y vais pas de suite parce que c'est la fin du stream. Par contre, avant d'aller à la fin du stream, je peux rentrer à Bon Augure, me soigner dans ma maison. Ça me fait gagner du temps parce que je vais aller dire bonjour à la maman de mon personnage. Patrick Chaud, enfin, alors, mais je suis sur la fin, Patrick. Merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil. Vraiment sur la fin. Dans 5 minutes j'arrête là. J'ai dépassé de beaucoup trop ce que je voulais faire. Mais merci beaucoup, c'est très gentil. Ah ben voilà, voilà, le spam du bouton A, comme d'habitude. Le fameux spam du bouton A. Bon, avant de partir, quand même. Bonjour les gens, installez-vous avec un. Je mets pas à la porte de suite. Installez-vous. On va au lac Courage. Pas au lac Courage, pardon, au lac Vérité. Parce que le lac Courage, il a pété à Ouchnok là-bas. Là. On va au lac Vérité, parce que je sais que je peux y accéder facilement. Le lac, là-haut, savoir, je vais pas pouvoir y accéder. Il va falloir faire toute la route, dans la montagne, puis dans la neige, avant d'y accéder. Et ça, ça sera la prochaine fois. Et ça va être très long. Vraiment très long. Donc, comment on va? Bah, écoute, ça va tranquillement. Un peu froid. Et vous donc, Monsieur Patrick Chaud et sa communauté?
Alors, nous voici au lac, le premier. Pour l'instant, rien de grave a l'air de s'être passé dans l'histoire. Et je ne peux pas surf. Bon, parlons au professeur et à Aurore. Ils ont sûrement des choses à dire après ce fameux combat sauvage. Qui sert à rien. Là, j'ai même pas envie de le faire, ce combat sauvage, parce qu'en vrai, ça me rapporte 0 XP. Il est quoi, niveau 3, le Kenotaur ? Non, pire, il est niveau 2, quoi. Il est niveau 2. Bon, bonjour, professeur. Donc, ils ont pas encore découvert les Pokémon légendaires. Enfin, c'est plus des... Je sais pas si c'est des vrais fabuleux ou des légendaires. Hein. On parle de Greffadé, Greffolé et le troisième, j'oublie à chaque fois. Je ne sais plus. Donc, pour nous préparer pour le prochain stream, on se dirige vers le prochain lac. Et on va s'arrêter à l'hôtel, tout simplement. Tranquillement, on va s'arrêter à l'hôtel. Ah oui, j'ai dépassé de 30 minutes de ce que je voulais faire en effet. J'y vais pas à vélo, je sais pas le maîtriser le vélo dans le jeu. Et nous voici à l'hôtel. J'aime bien la musique de cette zone, elle est chouette. Et la prochaine fois, on ira... c'est par en bas. Ici. L'entrée, elle est là. Donc, je vous laisse là, avec cette douce musique. Mais avant, il faut se garder. Et pour ma part, je vous souhaite de passer une bonne après-midi. De bonnes fêtes d'ici là, et on se revoit quand? Alors, sûr et certain, on se voit demain soir, le 24 décembre, oui, je sais, pour un petit stream de Noël autour d'un petit jeu où il faut trouver des objets de Noël, c'est tout en anglais, du coup on va essayer d'apprendre des mots anglais au passage. Et si je me le sens, peut-être demain matin, pareil, 10h midi à peu près, la suite de Pokémon Diamant Étincelant avec... Le mystère des trois lacs pour demain matin. Si je me le sens. Sinon, ça sera la semaine prochaine. Je ferai ça la semaine prochaine. Sinon. D'ici là, rejoignez le Discord parce que c'est important, parce qu'on y parle cinéma, jeux vidéo, et que vous avez toutes les semaines des jeux vidéo gratuits à récupérer sur le Discord. On vous poste tous les bons plans. Et pendant les fêtes, c'est tous les jours. Donc profitez-en. Et enfin, dernière info, il vous reste un peu plus de 24 heures pour participer au concours de Noël, pour importer un jeu de société qui est Les Aventuriers du Rail Europe, qui est un super jeu de société, avec le camarade Ando, quasiment tous les mardis on joue sur la version numérique, et on adore ce jeu de société, c'est un jeu qui est connu internationalement et même reconnu, il y a eu de nombreux prix, on s'y amuse vraiment bien en famille, entre amis, entre collègues, donc c'est un super cadeau qu'on vous propose à mettre au pied du sapin. Pour participer, il y a les liens sous Twitch, sur Discord, sur les réseaux sociaux. Vous avez juste à suivre les instructions. C'est très simple, ça vous fait gagner des tickets pour le tirage au sort. Il n'y a pas de, y a rien à perdre, il y a tout à gagner, donc profitez-en. Voilà tout ce que j'avais à dire. Si suivez Twitch, si ce n'est pas fait évidemment, abonnez-vous si ça vous chante, ça nous soutiendra évidemment. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez de bons moments. Pour ces fêtes, et très sûrement, très certainement même à demain. Cordialement, bisous.